Eh bien salut tout le monde, c'est Knowit. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode du Let's Play Twilight Forest. Aujourd'hui, vous le voyez, mon micro a changé et justement je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que le problème que j'avais avec ce micro, c'est qu'il captait beaucoup les bruits ambiants, donc les clics de souris, les clics de clavier, etc. Donc je compte sur vous pour me dire en commentaire si durant cette vidéo vous avez trouvé les clics du clavier et de la souris dérangeant ou non, sinon je trouverai peut-être d'autres solutions. Mais là je suis sur un petit point qui est pas trop mal, donc j'espère que ça va marcher. Voilà, j'ai mis la sensibilité de mon micro minimum, je parle vraiment dedans là quoi. Voilà, je parle vraiment dedans, donc ok, donc je compte sur vous vraiment pour me dire en commentaire si les clics de souris sont dérangeants ou non, ou si les clics de souris, voilà, souris clavier, vous me dites, hein, je compte sur vous. Donc rappelez-vous, la dernière fois on était parti dans la Spooky Forest qui est juste derrière moi, et puis on n'en avait pas tiré grand chose, hein. On avait trouvé un cimetière dans lequel il y avait quelques TNT et des coffres, il me semble, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, ce que je peux vous dire c'est que j'ai fait des recherches concernant les cimetières. Apparemment il y a des monstres qui sont censés spawn. Alors allez comprendre pourquoi moi ça ne spawn pas, mais bon, pas bien grave. Du coup aujourd'hui on va aller dans le biome enneigé, parce qu'il était juste à côté, et je me suis dit plutôt qu'aller chercher un monstre qui est à l'autre bout dans les marais ou je ne sais où, on va aller là-dedans, et puis normalement on devrait pouvoir combattre du Yeti. Donc on est parti directement, et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir me dire si vous entendez beaucoup les clics de souris ou non. Normalement quand je parle ça devrait aller, mais quand je ne parle pas, il y a moyen que ça soit un peu plus désagréable. Regardez le petit lapin, viens là. Il est si vif. Viens le petit lapin, paf. Et voilà, il est mort. Donc là on a un loup, apparemment les loups ne sont pas très très friendly ici. Ouais, regardez-le. Hop, il a l'air féroce. Mais je l'ai one shot. Pourquoi? Parce que j'ai une épée vraiment pétée. Donc on va continuer. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. Hop, directement. On va essayer de trouver un terrier où on pourrait trouver du Yeti. Mais qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ça ne serait pas un terrier où on pourrait trouver du Yeti par hasard? Je crois que si. Donc on va aller voir. On va aller voir tout de suite ce qu'il s'y cache, en espérant pouvoir casser la gueule à du boss. D'un coup, vous voyez qu'il y a pas mal de monstres. Hein. Bonjour. Vous êtes gentil. Donc là, vous voyez qu'il y a le spawner au milieu. Oula, il m'a attrapé. Bon, ok. Et si je lui mets une patate, là? Ah, ils sont solides, hein. Voilà, ok. Bon, il y en a beaucoup. On a des flèches. On a une flèche, mais on a une infinité. Donc, on va le tuer 100% flèche. I, courez! I, lâchez-moi! Ok, ok, ok. On va essayer de se mettre à l'abri. Ouais, bon. Lâchez-moi! Lâchez-moi, j'ai dit. Je vous. Ah, mais c'est. Comment ça m'emmerder? Ok. Ah. Ok, ils sont quand même très très embêtants. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est l'autre, il lance des trucs dessus, je crois. Donc on va lui tirer dessus à coup de flèche. Hein. Ah, ça ne marche pas les flèches. On va tuer du Yeti. Hein. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Et il m'envoie en fait un jet d'air frais. Oula, oula, oula. Bon, on va aller le chercher directement. C'est très chiant. Hein. Oh là là, il me lance des trucs. Et en fait, il bombarde tout le monde. Hein. Par contre, quand il fait ça, je peux le tirer. Le sniper. Ok. On y va. Hein. Ok, on y retourne. Hop. Bon, il est en train de juste de démolir toute son équipe. Tout son crew. Ok. On va peut-être pouvoir se rapprocher. On va le voir, on va la voir, bien sûr. Hop. Et ça gèle. Laissez-moi. On mange. On va essayer de s'approcher coûte que coûte.
Ok. Aïe. Ça y est, eux ils vont commencer à m'embêter. Lâche-moi. Votre papa s'en va et moi vous m'emmerdez. Hop. Allez, allez. Lâchez-moi. Voilà. Hop. On va pouvoir aller le chercher normalement. Ok. Putain la vache. Forcément il fallait qu'il se barre. Ah qu'est-ce que. Oui. Donc ça à tous les coups on est dans un biome très enneigé. Où est-ce qu'il est? C'est lui qu'on entend là. On ne voit pas grand chose. On va aller le chercher. Voilà. Ok, on a fini par l'avoir. Donc là on est clairement dans un autre biome où normalement je ne suis pas censé être. Mais vu que je l'ai battu, peut-être que maintenant je peux y être. Hé. Parce que vous voyez qu'il neigeait à fond. Ouais, maintenant que je l'ai battu, ça se trouve, je peux y être. Et donc là, normalement, je suis censé avoir fourrure de Yeti Alpha. Je n'ai pas de trophée de. Mais. Non. Je n'ai pas la tête du Yeti. Oh là là, je suis un peu déçu. Par contre, j'ai plus de bouffe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la fourrure? On peut se faire une arme casque de Yeti. Ok. Putain, c'est pas mal, hein. En vrai, c'est pas dégueu. Mais bon, il faut... Bon glacé. Ok, ça, tous les coups, je le lance, ça fait des dégâts. Ok, très bien. Eh bien. C'est très, très bien, tout ça. On va retourner se promener un petit peu maintenant qu'on a vaincu le boss. Gnom, 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 gnom. Gnom, 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 gnom. Ok, hop. Hop, là, on va sortir de cet endroit-là de fou furieux. Avec tous ces monstres là qui veulent qu'une chose, c'est vous attraper. Où est la sortie? Elle est par là. Hop. Voilà, donc. Un combat franchement pas super compliqué maintenant qu'on est stuffé comme des vaches. Mais franchement pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout ce petit combat. Ok. Bah, visitons un peu plus hein, ce biome. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à découvrir dans ces biomes-là, mais pourquoi pas faire un petit tour quand même. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de plus. À part du bois, beaucoup de bois partout, du bois. Ok. Des lucioles, des cigales. Enfin, voilà. Ok, et eh ben écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, tout ça. Donc, on va dire que la prochaine étape... Attendez, on va regarder dans... Hop, les stats. Non, c'est pas les stats. C'est dans les progrès. Progrès, Twilight Forest. On a vaincu normalement le Yeti. Voilà. Donc, on a la fourrure de l'Alpha. Et donc, oui, du coup, on va pouvoir aller voir la Reine des Neiges au sommet du Palace d'Aurore. Donc, pourquoi pas faire ça dans le prochain épisode. Voilà, après, pourquoi pas tuer l'Hydre plus tard. Donc, en fait, ok, le Yeti est une sorte de demi-boss, comme on avait battu l'autre vache dans le labyrinthe. Enfin, on avait battu. C'est pas vraiment le mot que j'utiliserais, mais voilà. Être à la mode, teindre les 4 pièces de l'armure, ok, bon ça on s'en fout. Du coup, l'idéal, ça serait d'aller la chercher dans le prochain épisode, dans ce petit biome qui m'a l'air très très froid, ma foi. Mais comment allons-nous monter? Sûrement se faire des escaliers à travers la glace. Ah ouais, d'accord, ça fait de l'eau. Et bah écoutez, au pire, ce qu'on fera, c'est on cassera bloc par bloc, regardez. Hop, regardez, on va même monter là tout de suite, tant qu'à faire. Un peu long mais bon. Hop, on monte hein. Bon, on essaie de viser un seul bloc, c'est pas évident. Ok, on y est presque. Ok. Hop. Est-ce qu'on va se noyer avant? Je ne pense pas. Je pense que là, on arrive sur le dernier. Voilà, exactement. Et donc, nous voici au royaume du petit pingouin. Voilà, il y a beaucoup de petits pingouins. Et donc, ça, c'est très, très cool. Attendez, on va aller voir. Est-ce que vous pensez qu'ils sont... Mais comme ils sont mignons.
Oh, il est solide! Il est plus solide que les loups. Attendez. Donc ça donne des plumes. Ok. Ça donne des plumes. Et bah, c'est déjà pas mal. Ok, donc prochain château qu'on va faire, ça sera celui-là. Mais on va se le garder pour le prochain épisode, bien sûr. Parce que sinon, si on fait tout dans cet épisode, ce serait pas très très marrant. Donc, on se retrouve du coup mercredi prochain pour le nouvel épisode. Ou sinon, on se retrouve samedi pour une nouvelle présentation de mode. Et donc, si tu ne connais pas les présentations de mode, voilà, chaque samedi, je présente des modes que tu peux ajouter dans ton mode pack ou non, voilà, selon tes préférences. Donc voilà, merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait toujours très très plaisir de voir que la commu s'agrandit. J'ai un serveur Discord aussi, le lien est dans la description. Et puis du coup, nous, on se retrouve soit du coup mercredi pour la suite du Let's Play Twilight Forest, ou alors on se retrouve... On se retrouve samedi pour la suite, pour une nouvelle présentation de mode. Voilà. Merci à tous et à très très bientôt. Allez, ciao, ciao.